Une nouvelle mise à jour vient d'arriver dans Pokémon Écarlate et Violet, les gars, et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, comme d'habitude, je t'invite à laisser un petit like. Si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a aidé, bah n'hésite pas aussi à m'aider en retour en laissant un petit like. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne YouTube. Tous les jours, des vidéos sur l'actualité des jeux Pokémon. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos tous les jours, mais à ne pas être abonné. Si tout le monde s'abonne à partir de maintenant, les gars, on explose les 104 000. Donc je compte sur vous. Si vous lancez Pokémon Écarlate et Violet, vous avez cette mise à jour qui est en train de se faire, les gars. C'est la mise à jour 1.3.1, les amis. Et qui est là pour corriger des bugs liés aux compétitions en ligne avec invitation. Alors là, les gars, vous allez me dire, ouais, bon, en vrai, on s'en fout un petit peu, ça n'a aucun rapport avec Pokémon Home. C'est juste une mise à jour pour corriger des bugs, franchement, on s'en fout. Certes, les gars, je suis d'accord avec vous, franchement, j'aurais aimé une autre mise à jour plus intéressante, sachant qu'on n'a pas trop d'informations concernant cette mise à jour. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est là pour corriger des bugs. Après, il y a du coup un point positif à noter avec cette mise à jour, les gars. C'est que vous savez, tout a été annulé dans Pokémon Écarlate et Violet. Là, ça fait plusieurs jours, on n'a plus rien. Plus aucune information, rien du tout les gars, pas de cadeau, pas d'informations concernant Pokémon Home qui a été annoncé par magie et qui a été annulé par magie aussi. On a les raids qui ont été annulés, on sait pas quand ils reviendront, voilà, les raids de blind epic et tout le bordel qu'ils avaient été annoncés pour ce week-end, tout a été annulé. On nous a dit que ça reviendra ultérieurement mais on sait toujours pas quand. Et là vraiment Pokémon Écarlate et Violet en ce moment, bah, c'est le cas me plat, franchement je pense qu'on est tous d'accord, on se fait chier sur le jeu. Déjà que de base on se fait assez chier sur le jeu, mais là c'est encore pire. Mais les gars, le point positif avec cette mise à jour, c'est que c'est une mise à jour qui est là pour corriger des bugs. Et logiquement, vu que tout a été annulé à cause de bugs, Pokémon Home et les raids, tout a été annulé à cause de bugs sur le jeu. Et bah si on a une mise à jour qui est là pour corriger des bugs, et bah peut-être, les amis, que ça nous permettra de ravoir des événements. Peut-être que ça va débloquer enfin les raids. Pourquoi pas, peut-être Pokémon Home, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y avait juste un petit souci. Il y avait peut-être un petit souci et ils pouvaient pas sortir Pokémon Home avant de faire cette mise à jour, j'en sais rien. Peut-être que dans cette mise à jour, on a plus de choses qui est dit. Mais en tout cas, les gars, peut-être que grâce à cette mise à jour, les raids reviendront. Et j'aimerais beaucoup, les gars, ça serait cool. Parce que franchement, déjà, on se fait chier sur le jeu. Mais alors, si on n'a pas de raid, franchement, les gars, on s'ennuie comme pas possible. Bref, du coup, on a cette mise à jour qui est là, du coup, pour corriger des bugs. J'espère, en tout cas, que ça nous permettra de ravoir des événements sur le jeu et des nouveautés, parce que là, on s'ennuie. Une deuxième information, les gars, que je voulais vous parler il y a quelques jours, mais je vous en avais pas parlé parce que je pouvais pas vous faire une vidéo juste pour ça. Voilà, c'est juste une petite information. Logiquement, Goupelin, les gars, sera le prochain Pokémon qui arrivera dans les raids 7 étoiles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient dans Pokémon Écarlate et Violet, mais logiquement, vu que tout a été retardé, tout a été repoussé, les raids de blind epic, ils ont été repoussés et retardés, et bah logiquement, Goupelin, pour l'instant, il est pas prêt d'arriver, à mon avis, mais logiquement, une fois que blind epic reviendra, et bah après, on aura Goupelin qui arrivera dans les raids 7 étoiles. Bref, en tout cas, j'espère, les gars, que cette vidéo, les gars, vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite, les amis. Ciao.